Salut à tous. Pour ce match d'ouverture, on va s'efforcer de vous faire vivre ce tournoi dans les meilleures conditions. J'espère que vous êtes aussi impatients que nous pour être très francs. On est comme des gamins à l'idée que cette compétition débute enfin. Ici à Milan, le stade Giuseppe Meazza est un véritable monument avec ses quatre immenses tours d'angle en colimaçon. Et comme souvent, il sera plein au coup d'envoi. Et voici l'hymne national de la Bulgarie. Continue maintenant avec le deuxième hymne national. Et pour aller loin dans cette compétition, il est important de ne pas manquer son entrée en matière. Oui, c'est certain, mais on a vu que l'organisation était parfaite. Ça prouve que le club a très bien préparé ça. Rien n'a été laissé au hasard. Donc il y a de grandes chances que l'entraîneur et les joueurs soient tout aussi prêts. Et c'est parti! Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. Ça manque de soutien dans la zone de vérité. La passe dans la profondeur. C'est parfait, magnifique. Et la touche maintenant. C'est une occasion, ça! Oh, quel bel arrêt! Ah, ça c'est magnifique, chapeau! Premier corner dans cette rencontre. Et la tête! Attention la frappe! Mais il paraissait bien seul aussi. C'est bien, les intentions sont là, même si c'était encore imprécis. C'est un bon début de match. Le gardien loin devant. Encore en position de hors-jeu. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Quelle frappe! C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. C'est joué long. La Bulgarie qui cherche l'étincelle. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. C'est bien ce qu'ils font, cette manière de faire sortir des joueurs. Oui, il y a du mouvement, c'est intéressant pour étirer la défense adverse. C'est ça, ils essaient visiblement de créer des espaces dans l'axe. Voyons si ça marche. Werner! Oh dommage, la passe était parfaite. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle.
Ça joue long vers l'avant. Le ballon sort du terrain. Bonne intervention, il y avait danger. Toni Kroos, il allonge vers l'avant. Brandt, il peut en profiter. Brandt à côté. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. Il écarte, c'est bien fait. Ça sort, touche. Toni Kroos. Goretzka. Il s'est fait prendre sur un ballon anodin. Un long ballon vers l'avant. Oh, s'il réussit son contrôle. Il frappe loin devant. Quelle fait du bien cette interception. L'arbitre siffle une faute. Le long dégagement du gardien. Bien joué ça. Oh, le bon ballon dans la surface. Le gros dégagement. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Ça, c'est une interception parfaite. Toni Kroos. Bien servi. Oh, l'intervention. Et le ballon est sorti. Touche. Le ballon piqué sur le côté. Et ce ballon devant le but. Et le ballon va sortir, dommage. Long ballon dans le sens du jeu. Bonne interception, il y avait danger. Il progresse encore. Quelle inspiration. Le centre devant. Oh, la tête. Et il manque le geste décisif. Super débordement, même si le marquage était un peu à l'arrêt. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ça joue long. On joue sur l'aile, il est servi. Ça sent... Oh, l'inspiration ! Le dégagement. Le tacle. Il peut y aller. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. C'est joué long, attention. C'est bien fait. Et le centre. Quelle détente. Idéalement, il faut réduire le score avant la mi-temps. C'est fait. Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Mais ça, c'est un beau coup de tête, mais il ne faut pas oublier non plus la qualité du centre. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait.
c'est reparti, ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. C'est joué long. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Brandt. L'Allemagne qui essaye de construire. Werner. C'est repoussé. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. L'Allemagne qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance. Et ça fait toute la différence pour le moment. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0, ça pourrait vite basculer. Et ce sera une faute. Non, ça manque d'application. Le bon ballon. Il prend sa chance. Il a failli en profiter. Il a se fait secouer par son entraîneur. Là, cette perte de ballon aurait pu leur coûter cher. Kimmich. Werner. C'est centré dans la... Il met la tête. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Il a mis tout ce qu'il avait, mais il a un peu forcé son geste. Et c'est récupéré encore une fois. Kimmich. Brandt, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. C'est joué dans l'espace. Va-t-il en profiter? Ce contre peut très bien aller au bout. Bien, la profondeur. Interception, c'était chaud. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est l'occasion de procéder à un changement. Il quitte le terrain, applaudi par tout un stade. Quel match il a fait! Bah écoutez, il a fait son match, il peut être content de lui. Ils obtiennent la touche. Kimmich. C'est directement pour le gardien. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Il y a toujours 1-0 seulement. Le temps joue pour eux. Goretzka. La passe est précise. Il y a danger. Cherche Müller. C'est belle cette tête, mais ça ne suffit pas. Un long ballon. Gundogan. Bonne lecture de la trajectoire. C'est reparti, ils peuvent contrer. À la régulière, il est battu, joli tacle. Dans la profondeur. Il reçoit le ballon. Attention au centre. C'est repoussé. L'ouverture du score juste avant la mi-temps, ça fait toujours du bien. Il mène donc 1-0. Le long ballon à l'opposé. Bonne intervention. Longue passe vers l'avant. Popov.
voilà une bonne occasion de contre. Coup franc. Et geste mal maîtrisé, logique cette sanction, carton jaune. On dirait qu'il s'est blessé sur ce contact. Oui, la tentative. Ils sont passés tout près d'égaliser. Et l'équipe peut le remercier si elle mène encore, c'est bien grâce à lui. La Bulgarie qui procède à un autre changement. Deux changements d'un seul coup, le manager a décidé de faire tourner. La tête ! Ils étaient tout près de revenir au score. Ah oui, c'était vraiment chaud là. Kimmich. Peut-être une occasion pour Müller. Attention là. Grosse occasion. La frappe. Oh, ça aurait dû faire 2-0 ça. Oh là là, c'était chaud. Avec deux buts de retard, ça aurait été quasi impossible pour eux. Bonne interception. Encore quelques instants, ils pourront fêter la victoire. Qui va tout seul? C'est joué dans la profondeur. Oh, quel geste! Il déclenche son centre. Il va falloir qu'il se réveille, il n'a qu'un petit but d'avance quand même. Le chrono tourne, s'ils ne mettent pas le ballon devant, on va en rester là. La longue passe, il peut en profiter. Et il perd l'équilibre. Il allonge le jeu. Ça pourrait être dangereux. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Et c'est exactement le genre de départ dont ils pouvaient rêver, ça les met en position idéale pour le reste de la compétition. Alors, que retenir de cette rencontre? C'est très bien, ça leur permet de ne pas griller de joker. Alors, bravo à eux. C'était vraiment une belle soirée d'arène. Un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite. À bientôt. Mais c'est moi qui vous remercie.